Là où les cœurs sont brisés, Seigneur, viens apporter la paix. Que ta parole nous apporte la paix, la tranquillité. Que ta parole, Seigneur, nous soulage, nous réconforte. Que ta parole nous édifie. Je commence à rendre toute pensée captive à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Que seule ton atmosphère règne dans cette salle. Que ton peuple, moi, nous soyons tous connectés à ta présence. Que je me taise pour que toi tu parles. Que je disparaisse pour que toi tu apparaisses. Agis en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus en acclamant le roi des rois. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Nous allons lire la parole de Dieu. We're going to read the word of God. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 10. Let us open our Bible in the book of John 10. À partir du 22e verset jusqu'au 39e. From the verses 22 to 39. Ouais, et puis Psaume chapitre 82. We're going to read the book of Psalm 82. Du 6e au 7e verset. From the verses 6 to the verses 7. Amen. 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 Clamons pour la parole. Let's clap for the word of God. Gloire à Jésus, nous pouvons nous mettre. Glory be to God, we may be seated. Encore une fois, bon après-midi à tous. Once more time, good afternoon everyone. Nous continuons notre grand thème, vivre dans le sublime divin. We're going following our mentality to living in the sublime divine. Le souhait de Dieu est que nous puissions vivre vraiment dans l'excellence. The wish of God is for us to live in excellence. L'excellence dans la parole de Dieu, ce n'est pas seulement avoir des richesses. Excellence in the word of God doesn't mean to have wealth, be wealthy. Mais c'est beaucoup plus avoir un esprit excellent. But it means more to have an excellent spirit. Des pensées excellentes. Having excellent thoughts. Alléluia. Amen. C'est dans le Seigneur is in the Lord qui a la véritable excellence. Where is the true excellence. Alléluia. Amen. Quand tu vis vraiment sous les prescriptions du Seigneur, when you live according to the Lord's prescriptions, tu verras que tu auras une vie excellente. You will notice you will have an excellent life. Alors le dimanche passé, and last Sunday, nous avons parlé de l'esprit en suspens. We spoke about the suspended spirit. Nous avons dit qu'un esprit en suspens, we say a suspended spirit, est celui qui vit dans l'incertitude. Is the spirit which lives in uncertainty. À chaque fois quand tu es dans la confusion, every time you are in the confusion, tu vas remarquer que c'est le mal qui va dominer. You will notice evil things will dominate. Donc ne permets mais pas à ton esprit pour que le mal puisse entrer. So do not allow your spirit to allow the evil thing to enter. Moindre mal dans ton esprit, just a small evil in your c'est spirit, le diable qui prendra contrôle de toutes choses. The devil will take control of everything. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui nous continuons avec un autre sous-thème. But today we're going to continue with another subtitle. Mais dans le livre de Jean, chapitre 10, in the book of John 10, on nous parle comment les Juifs célébraient leur fête. Here they're talking about the way Jews were celebrating their c'était parties. La fête de la dédicace du temple. That was the part, the celebration of the temple. Et nous avons dit le dimanche passé. And we said last Sunday. Pendant que le Juif célébrait la fête. When Jews were celebrating. Jésus se promenait dans le temple. Jesus was walking in the temple. Donc c'est comme s'il était un peu préoccupé. That means he was like he was occupied or worried about de something. De la manière dont le Juif célébrait cette fête. He was worried about the Jews, the way they were celebrating that day. Pendant qu'il faisait des tours de va-et-vient, while he was wandering, les Juifs remarquèrent cela. The Jewish people noticed it. Et ils dirent,
au Seigneur. La Bible dit qu'ils entourèrent d'abord. And the Bible said they went around them first. Nous avons dit que ce verbe entourer signifie aussi attaquer. The Bible, we say the way they surrounded the Lord also meant to attack him. Ils avaient déjà l'intention de l'attaquer. I mean, they already had the intention to attack him. Bien aimé, souvent tu te promènes mais tu ne sais pas les gens qui ont les intentions mauvaises sur toi. You know, sometimes you walk, you don't even know people have bad intentions for you. Mais la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. But the Bible says every weapon formed against you will be for nothing, no power. Reste fidèle à Dieu. Just remain faithful to et God. Et tu verras que même tes ennemis seront tes marchepieds. And you will know it will step upon your enemy. La Bible dit les Juifs l'entouraient. The Bible says the Jews surrounded Jesus. And they said to him, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Until when you're going to put our spirit in suspension? Si tu es le Christ, if you are the Christ, dis-le nous franchement. Just tell us honestly. C'est comme si eux ils aimaient la vérité. It's like they like truth, the truth. Alléluia. Amen. Ils voulaient que le Seigneur puisse parler de la vérité. They wanted the Lord to tell them the truth. Mais pendant que eux-mêmes ne voulaient pas la vérité. While themselves they dislike the truth. Et la Bible dit ceci. And the Bible said this. Que quand le Seigneur a commencé à parler. And when the Lord started to answer them. Ils avaient déjà l'intention de le lapider. They already had the intention to stone him. Alléluia. Amen. Et Jésus dans le verset 32. And Jesus in the verses 32. Je vous ai fait plusieurs bonnes œuvres venant de mon père. He said, I have shown you many good works from my father. Pour laquelle vous me lapidez. For which work are you stoning me? Bonnes œuvres. Because of the good things. Le diable n'est pas à l'aise. The devil is not comfortable. Bien aimé, continue à accomplir de bonnes œuvres. Beloved, continue by doing good things. Nous avons la puissance quand nous accomplissons les bonnes œuvres. We have power when we continue doing good. L'onction de Dieu accompagne ceux-là qui accomplissent les bonnes œuvres de Dieu. The anointment of God always follows those who do good things for God. La Bible dit pendant qu'ils voulaient le lapider. The Bible says while they tried to stone him. Jésus a parlé encore. Jesus responded. Et avant cela, il dit. And before that, he said. Moi et le Père, nous sommes un. Me and my Father, we just one. Ce sont des phrases qui sont un peu compliquées. Those are very difficult sentences to understand. Ce sont des phrases qui certifient. Those are sentences which certify. La divinité de Jésus. The divinity of Jesus Christ. Lui et Dieu, ils sont un. He said, I and the Father, we are one. Amen. Et les gens voulaient le lapider. And people wanted to stone him. Nous avons dit, and we said, tout ce que nous pensons dans notre esprit, everything we think in our spirit or soul, nous le faisons déjà dans notre esprit avant de l'extérioriser. We always do it before even making that happen. Donc à chaque fois quand tu penses déjà un mal, I mean each time you think about something bad, laisse-moi te dire que en esprit tu l'as déjà fait. Let me tell you in your subconscious you already did it. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens tuent avant de tuer. A lot of people kill even before killing. Beaucoup de gens, comme j'avais dit l'autre fois, as I said last time, ils volent avant de voler. They even steal before stealing. Ils sont fornicateurs avant de forniquer. They do fornication even before doing it. La Bible dit les Juifs voulurent les lapider. The Bible said the Jews wanted to stone him. Ils n'avaient pas lapidé le Seigneur. But they didn't stone the Lord. Mais Jesus. Ils voulaient juste le lapider. But they just wanted to stone him. Mais Jésus a affirmé qu'ils l'ont lapidé. But Jesus affirmed that they already stoned him. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont déjà fait dans leur esprit. Why? Because they already had done it in their intention. Leur esprit a déjà commis le péché. Their intention already committed the sin. Alléluia. Amen. À chaque fois que nous pensons, I mean, each time we think negatively, déjà le we already made commit a sin. Quand tu viens à l'église, when you come to church, tu dois avoir un cœur pur et des pensées pures. You must have a pure heart and pure thoughts. Quand tu viens devant ton frère et soeur, when you come before your brother or sister, tu dois déjà avoir le cœur pur. You must already have a pure thought. Mais si tu as déjà des mauvaises intentions, but if you already have bad intentions, tu es déjà en train de pécher. That means you already committed a sin.
Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, but today, nous allons tarder sur un verset. We're going to remain longer in one scripture. Juste un verset. Just one scripture. Et ce verset, and that scripture, montre réellement que le Seigneur est Dieu. Show truly that our Lord Jesus was God. Jésus est Dieu. Jesus was Est-ce God. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Can you say to your neighbor? Que Jésus est Dieu. Jesus is God. Tu ne sers pas n'importe qui. You're not serving anyone else. C'est lui qui t'a appelé. The one who called celui you. Celui qui t'a sauvé. The one who saved you. Est Dieu. Is truly God. Jésus Christ est Dieu. Jesus Christ is Je God. Je viens encore de le certifier aujourd'hui. I'm here to certify that to you. Peut-être tu as oublié. Maybe you forgot. Ou peut-être tu doutes. Or maybe you're still doubting. Mais aujourd'hui. But today. Je parle avec conviction. I'm talking with conviction. Et certitude. And I'm certified. Que Jésus Christ est Dieu. Jesus Christ is God. Quand vous lisez le verset 34, when you read the verses 34, pendant que il y avait l'engouement entre les Juifs, when there were trouble between Jewish people, les Juifs s'agitaient, they were so agitated, ils étaient en colère, they were so full of anger. La Bible dit, Jésus leur dit, the Bible says, Jesus replied, n'est-il pas écrit dans votre loi? He said, isn't it written in your law? J'ai dit, I've said, vous êtes les dieux. You are gods. Alléluia. Amen. Écoutez, je répète cette phrase. And I say this again now. N'est-il pas écrit dans votre loi? Isn't it written in your law? Je dis, I've said, vous êtes les dieux. You are gods. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce Do you understand this sentence properly? Alléluia. Amen. En lisant ce passage, by reading this scripture, qu'est-ce que vous pensez déjà? Jésus voulait faire quoi? What do you think Jesus was trying to do here? Quelqu'un peut répondre s'il vous plaît. Someone can answer me about this. Ouais, mais à part ça, comment on peut appeler ce style de phrase? What can you explain the sentence style he used here? Écoutez, je répète. N'est-il pas écrit dans votre loi? Isn't it written in your law? Je dis, I've said, vous êtes les dieux. You are God. Comment on peut appeler ça? C'est you know, how can you call this type of question? Rhetorical question. Ouais, c'est une métaphore, mais aussi. Is it called? Il voulait faire quoi aux Juifs? What Jesus was trying to do to Jewish people? N'est-il pas écrit dans votre loi? Isn't it written in your law? J'ai dit. I've said. Voilà, c'est le mot, le rappel. That means he was trying to remind them il here. Il voulait le rappeler. He wanted to remind them. Alléluia. Amen. Jésus voulait leur rappeler. He wanted to remind them. Il voulait leur dire. He wanted to tell them. Que n'est-il pas écrit dans votre loi? Isn't it written in your law? Je dis. I've said. Vous êtes des dieux. You are gods. C'était un rappel. That was a reminder. Alors le sous-thème de cet après-midi, the, je l'ai intitulé. The subtitle of today, I will name it reminder. Nous en avons besoin. We need this. Nous avons besoin de ce rappel à chaque fois. We need someone to remind us all the Alléluia. Time. Amen. Quand vous lisez la version Semeur, when you read the other version of the Bible, la Bible dit Jésus répondit. The Bible says Jesus replied. N'est-il pas écrit dans votre propre loi? Isn't it written in your own law? Moi le Seigneur, me the Lord, je vous ai dit, vous êtes I say to you, you are God. Alléluia. Amen. Avec la version Semeur, with the version, the c'est version un peu clair. It's very clear there. N'est-il pas écrit dans votre propre loi? Isn't it written in your own law? Dans votre loi. In your law. Moi le Seigneur, me the Lord, je vous ai dit, I told you, vous êtes des dieux. You are God. Est-ce que tu peux dire à ton voisin rappel? Can you say to your neighbor? Non, dis rappel. Reminder, reminder. Alléluia. Amen. Dis encore rappel. Say reminder. Et je te demanderai de dire encore Theos. And I'm going to ask you to say also a word called Theos signifie Dieu. Theos means God. Alléluia. Amen. N'est-il pas écrit dans votre loi? Isn't it written in your law? J'ai dit vous êtes des Theos. I say you are Theos.
Vous êtes des dieux. You are God. Theos signifie Dieu. Theos means God. Mais signifie aussi le représentant des dieux sur la terre. It also means representative of God here on earth. Non, je pensais que le représentant des dieux sur la terre. The representative of God here on earth, we say Amen. Tu es un représentant des dieux sur la terre. God represents here on earth. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. You are not anyone else. Le Seigneur aujourd'hui, the Lord today, te rappelle, is reminding you, que tu es son représentant. You are representing him. Partout où tu passeras, everywhere you will go, tu dois agir you en tant que délégué de Dieu. A person delegates by God. Tu es un ambassadeur. You are an ambassador. Un ambassadeur est un délégué. An ambassador is a delegate. L'ambassadeur du Congo à UK ici. An ambassador of the DRC here. C'est le représentant légal de la nation et du président. The legal representative of the nation of or the president here in the UK. Est-ce que vous comprenez? Do you understand what I'm trying to say here? Beaucoup vivent dans l'ignorance. A lot of people live in ignorance. Ils ne comprennent pas. They do not understand. Qu'ils sont des représentants de Dieu. They are representatives of God. Alléluia. Amen. Vous savez, le mot rappel, you know, the word reminder, est une action d'exhorter quelqu'un à revenir au respect d'une règle. A reminder is an action which shows a person to go back to a guidance, some type of guidance. Une action d'exhorter quelqu'un à revenir au respect d'une règle dont il est écarté, il s'est écarté. Is an action of advising someone to go back to the guidance in which he forgot. Tu avais de principes. That means you had some guidance tu of principles. Tu vis sous les prescriptions de Dieu. You live according to the rules mais of God. À un moment, tu t'es écarté. But a certain time, you put yourself a be away from mais it. Quand Dieu vient, il te rappelle. But when the Lord comes to remind you, c'est pour que tu rentres dans la ligne. He's trying to call you to go back on c'est track. Pour que tu vives sous les prescriptions it's de for you Dieu. To go back to live under the guidance beaucoup of God. Se sont écartés de Dieu. A lot of people went out of track of God. Même s'ils prient, even when they pray, dans leur maison, in the house, vous savez, you même, know, même les gens, I will tell you, even people qui ne viennent pas de les églises, who doesn't come to church or maybe they say they pray, ils reconnaissent Dieu. They acknowledge the existence of God. Alléluia. Amen. Ils parlent. They speak. Oh, Dieu est grand. They say, oh, God is great. Il y a d'autres même qui font du mal au nom de l'Éternel. There's even other people who do evil things in the name of God. Quand ils commettent leur mal, ils reçoivent beaucoup d'argent. When they do bad things, they receive money. Ils font des prières. They even pray. Le Seigneur. They say, oh, Father, Lord, merci. Thank you. Kope simbi. Our merci, Seigneur. Things are work. Thank you, God. Alléluia. Amen. Oh, ces derniers temps, Dieu est en train de me bénir. Our Lord is blessing us with our scum. Ils vivent de la corruption. They're living under corruption. Surtout dans nos pays. Especially back home. Tu vois quelqu'un qui ne fait que vivre dans la corruption. You see someone just living with corruption. Mais il vient même témoigner à l'église. But he even come in church to give some testimony. Le Seigneur m'a béni. The Lord bless c'est me. C'est juste pour vous dire. Just to tell you. Selon lui, il prie. So according to this kind of prayer, they pray. Mais cette prière ne suffit pas. But that prayer is not enough. Ce qui est très important. What is important? C'est d'amener une vie de sanctification. Is to bring a life of sanctification. Être pieux. To be holy. C'est très très important. That is so important. Alors combien de fois? So how many times? Le Seigneur nous rappelle. The Lord is reminding pour us. Pour que nous revenons dans la bonne voie. So that we go back on the back right track. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez ce passage, when you read this scripture, vous allez comprendre, you will understand, que le Seigneur lui-même, the Lord Jesus himself, leur précise que c'est lui l'auteur de leur loi. He was telling them, I'm the author of your law. Parce que les Juifs, because for Jewish, frappaient la poitrine, they were à cause so de la loi. Proud of talking about the law. Nous connaissons la loi. We know our law. Alléluia. Amen. Vous savez, ils mémorisaient les you know, passages. They used to memorize ils a lot of scripture. They knew inside out the mais commandments. Ils n'exerçaient pas ces commandements. But they never practiced tu those commandments. You may know. Mais ton problème, c'est la pratique. But your main problem is to practice. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à pratiquer. We are called out to practice. That's why you see beaucoup de gens a lot of people dans des églises, in different churches. Ils ont duré, they've been there for a long time. Pharisiens. But they're like Pharisees. Alléluia. Amen. C'est les Pharisiens.
Pharisiens étaient très intelligents. Pharisees were so clever. Ils pouvaient mémoriser les passages. They could memorize a lot of scripture. Mémoriser les commandements de Dieu. Even memorize the commandment of God. Dieu leur a donné 10 commandements. The Lord gave them 10 commandments. Et ils ont fait plus de 500. But they made more than 500. Plus de 500. More than 500. They modified, they transformed. They even add more. Et ça, c'était leur vie. And that was their life. They used to talk about that. Alleluia. Amen. C'était des gens. They were people. Les livres de la loi. When they took, they take the book of law. They were able to memorize it easily. Mais ils n'avaient pas la vie de Dieu. But they never had the life of God in them. Alleluia. Amen. Ce passage révèle. This scripture show. La divinité de Jésus Christ. Divinity of Jesus Christ. N'est-il pas écrit dans votre loi? Isn't it written in your law? J'ai dit. I said. Oh, quand est-ce qu'il a dit? When did he say that? Quand vous lisez Psaume chapitre 82. When you read the book of Psalm 82. Ce n'était pas Jésus dans la chair qui a dit cela. There was no Jesus in his mais face. Mais c'était Dieu. That was God, le créateur des cieux et la terre. The creator of earth and heaven. Mais oh, ici dans cette scène ou dans and cette here, histoire, in this story here, le Seigneur parle aux Juifs. Jesus was talking to the Jewish. N'est-il pas écrit them, dans votre loi? Isn't it written in your law? J'ai dit. I said. C'est moi qui ai dit. It's me who said que it. Vous êtes des dieux. You are God. Alléluia. Amen. C'est moi qui ai dit. It's me who said it. Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux. You are God. Vous savez, nous pouvons tous écouter. You know, we may all listen to the word of God. Mais la manière de la recevoir. But the way of receiving the word of God is different. Alléluia. Amen. Nous pouvons tous écouter la parole de Dieu. We may all listen to the word of God. Mais la luisance dépend ou la lueur dépend de la foi de chacun. But the understanding depends on the faith of each one of us. Une parole, a word, peut être plus puissante chez l'autre que chez toi. May be powerful to another person than c'est to ta another. Manière de concevoir, is your, de recevoir cette parole. Is your way of receiving that word. Donc ça dépend de ce qu'on appelle la réceptivité. That means it depends on the way of receiving it. La réceptivité. The way of receiving the c'est word. Ta manière de recevoir. Is your way of receiving or qui which de toi un homme fort will ou faible. Make you a strong or weak person. Alléluia. Amen. Ces gens recevaient la parole. The people they received the word. Ils connaissaient cette parole. They knew this word. Alléluia. Amen. Deux fois ils la récitaient. Sometimes they used to even. Mais ils ne comprenaient pas. But they never understood. Alléluia. Amen. Entre eux. Between them et les disciples, and the disciples, ce sont les disciples qui avaient compris. The disciples understood it better. Jésus est Dieu. They knew Jesus was mais God. Eux connaissaient. But them, they only knew. Psaume 82. They knew Psaume 82. Parce que in their hearts, ils le récitaient. They used to tell it. Mais ça ne donnait pas la vie en eux. But it never gave life to them. Alléluia. Amen. Ce qui est très important. What is more important? C'est ta manière de recevoir la parole. Is your way of receiving the word of God. Ces gens recevaient la parole de Dieu. These people used to receive the word of God. Ils connaissaient. They knew les passages. A lot of scriptures. Mais leur manière de recevoir. But the way of receiving the scripture was different. Et quand je parle de la réceptivité, and when I'm talking about the way of understanding, c'est aussi la sensibilité. Is also the sensitivity. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sensibles. Is a lot of people are not sensitive to things of God. Quand ils écoutent la parole de Dieu, when they listen to the word of God, ils la changent. They try to change it, twist it. Alléluia. Amen. Ils font la torsion des écritures. They try to twist the scripture. Leur interprétation est compliquée. The way of understanding it is so quand awkward. Quand ils viennent dans des églises, when they come to church, quand ils écoutent la parole de when Dieu, they listen to the word of God, ils regardent seulement. They just listen or le look. Temps fort, the main place. Le moment où le pasteur a fait rire l'église. The time where the pastor make the church laugh. C'est ce moment-là qu'il va capter. That is the way he's gonna understand donc, or remember. Il n'a pas vraiment la sensibilité. That means he's not very sensitive. Quand il écoute la parole de Dieu. When he listens to the word of God. Mais il y a une autre personne. But there's another person. Quand le pasteur ou le prédicateur parle. When the preacher is talking.
dit, non, cette parole me concerne. He said, this word is for me. Je reçois cette parole. I receive this word. Et vous allez remarquer. And you will notice something. Expérimentent le changement. Those are people who go through change. Ce sont ces gens qui expérimentent la puissance. Those are people who experiment the power of the word of God. Quand tu viens comme spectateur, if you come like in audience, tout ce que le prédicateur peut dire, everything the preacher will say, ne va pas donner la vie. He will never give life to you. Ces gens écoutaient. These people used to listen la parole. To the word of God. Ils connaissaient la parole. They knew the word of God. Mais cette parole, but the word of God, retentissait comme. It was just reflecting back. It was just like strike. Alleluia. Amen. Comme des orages. It was just like something donc, that ne makes donnait sense. Pas vie. It never gave life to them. It never gave life to them. Et le Seigneur voulait insister. But the Lord wanted to insist. Il voulait leur rappeler. He wanted to remind them. Alleluia. Amen. Combien de fois? How many times? Dieu insiste. The Lord is insisting. Dans ton problème. In your problem. Mais tu n'arrives pas à saisir. But you are not able to understand parce que it. Tu n'as pas la réceptivité. Because you don't have a better way of understanding. La sensibilité. You're not very sensitive. Quand vous lisez dans la Bible. When you read in the Bible. J'ai beaucoup aimé. I really like. Quand this man, la parole de when Dieu, I read the scripture, dans le livre de Actes chapitre 14, in the book of Acts 14, à partir du verset 8, and we 8, Paul se retrouva dans la ville appelée Lystre. When Paul found himself in a town called Lystre, et la Bible dit pendant qu'il prêchait, the Bible says while he was preaching, voici un homme important de pied. A man was a disabled. Ouais. Cet homme était invalide. He was a disabled person. Et il était, la Bible dit, il était boiteux de naissance. The Bible said that man was crippling since birth, from birth. Et il n'avait jamais marché. And he never walked in his life. Donc toute sa vie. All his life. Vous savez, il y a des choses. Hein, you know, some other things avec, which people are born with. Mais laisse-moi te dire. But let me tell you. Quelle que soit la négativité de cette chose. Regardless of the negativity of crois that things. En Dieu. Just believe in God. Dieu. God. Agit en son temps. Acts on his own time. Il peut enlever la chose he may remove that que problem tu es né avec. You are born with. Alleluia. Amen. Parce que sa puissance because his power est illimitée. Is not limited. Dieu God ne voit pas ces circonstances et ces temps que tu passes. Doesn't see only the time you're spending que right now. Quelle que soit la durée de ton problème. Regardless of the time. Mais si Dieu veut, safe, if the Lord wants, il te donnera la vie. He will give you il life. Te donnera la délivrance. He will give you the healing. Que soit regardless la durée of the time, la Bible dit cet homme, the Bible said that man était né, was crippled, he was crippled from birth. Il n'avait jamais marché. He never walked in his life. Mais pendant que l'apôtre Paul prêchait, but while the apostle Paul was preaching, la Bible dit, the Bible said he was listening. Mais il avait la foi d'être guéri. But he had faith to be healed. Il avait ce qu'on appelle la réceptivité. He had a good way of understanding. Il avait la sensibilité. He has sensitivity. À cause de cette sensibilité, because of that sensitivity, l'invalidité de toute sa vie, the disability of his whole life, s'est changé en validité. God change of ability. Est-ce que vous comprenez cela? Do you understand what I'm trying to say here? Alléluia. Une chose qui a perduré. A problem who took so long. Mais à cause de sa réceptivité, but because of his way of getting the word of God, il a eu la guérison. He received healing. Dans d'autres versions, that means in other versions of the Bible, au lieu de parler de la guérison, instead of talking about healing, on parle du salut. They're talking about salvation. Alléluia. Amen. Continue à demeurer dans you la vie. You must remain in the word of God. Continue à demeurer dans remain la vie du salut. In the life of salvation. La personne qui a le salut, the person who has salvation, ne vit pas comme les gens du monde. Doesn't live like common people. Est-ce que réellement Jésus t'a sauvé? Truly, is the Lord saved you? Si Jésus t'a sauvé, if the Lord saved you, mais pourquoi tu agis comme so les gens du monde? How are you acting as common human being? Alléluia. Amen.
La foi, faith, c'est aussi la réceptivité. It's also the way of receiving the word of God. L'homme à la parole de Dieu. The word of God from the man. Si tu as la sensibilité. If you have sensitivity. Vous savez, la parole de Dieu opère dans la vie de ceux-là qui sont sensibles. The word of God only operates in the life of those who are sensitive. Si tu es sensible. If you are really sensitive, tu verras la gloire de Dieu. You will receive the word of God. Beaucoup de gens. A lot of people. Dans des églises. In different churches. They are not very sensitive. Le Seigneur insiste. The Lord keeps insisting. He's reminding mais them. Les gens but people are still remaining in their position. When on parle de l'offrande, when they're talking about offering, on parle de la présence, we're talking about being on parle present, de we're talking about people being absent pendant des années, for many years. Mais y a des choses qui perdurent. But it's things which take long. C'est anormal. That doesn't make sense. Nous sommes appelés à dépasser un peu les étapes de l'enfantillage. We are called up to move ourselves a little bit from the childhood stage. La personne qui y est fidèle aux choses de Dieu progresse. A person who is faithful in things of God progresses. Elle avance dans les choses. He always moves forward with things of God. Alléluia. Amen. Même moi, even my son, je dois progresser dans I must progress in things of God. Ma manière d'être d'hier, my way of being of yesterday, ne peut pas être la même chose aujourd'hui. Should not be the same as today. En Dieu, on progresse. In God, we Est-ce must que tu peux progress. Dire à ton voisin, en Dieu, Can on you progresse. Say to your neighbor, in God, we must progress? Comment tu restes toujours invalide? Oh, are you still remaining disabled? Cet homme était invalide. That man was disabled. Mais je dirais, but I say, en esprit, in his spirit, he was already able. Dès qu'il ne marchait pas, even though he could not walk, depuis sa naissance, from birth, mais ce jour-là, or that day, en écoutant la semence incorruptible, by listening to the incorruptible seed, il était déjà devenu valide. He was already became et ce que Paul a fait, but what Paul did, c'est juste constater, it was just to notice sa validité, his ability. Il avait juste constaté ce que lui pensait. What he was thinking. Cet homme pensait déjà. He was thinking already. Il était, il marchait. He could walk. Il pensait déjà. He was thinking already like that. He was, he had a good hand. Il pensait déjà. He already think. Il n'était plus comme hier. He knew he was not the same as yesterday. À chaque fois quand tu penses positivement, each time you think positively, le Seigneur peut te guérir instantanément. The Lord may heal you in the blink of an eye. Cet homme était entré invalide. That man entered disabled. Mais quand il écoutait la parole but de when Dieu, he listened to the word of il God, était déjà valide. He became able already. Il voyait déjà des grandes he choses. He could see great things already. Il disait il pouvait marcher. He could see he was walking. En fait, il marchait déjà en esprit. That means he was already walking in his spirit. Et la Bible dit, but the Bible says, quand Paul le regarda, when Paul looked at him, Paul voyait, Paul saw qu'il avait la foi. He had faith. Il avait cet esprit là de réceptivité. He had that spirit of receiving the word of God. La Bible dit Paul cria. And the Bible says Paul screamed. Lève-toi. Stand up. Et cet homme s'est levé. And that man stood up. Paul a juste constaté ce qui s'est passé dans son Paul cœur. Only noticed what was happening in his heart. Voilà pourquoi. That is why. Vous savez quand nous prêchons, when we preach, des fois vraiment, sometimes really, tu regardes quelqu'un, you look at someone. Tu fixes quand nous prêchons. When we preach, tu vois, je peux fixer. I may actually focus Dieu my eyes on you, chose. And the Lord may tell me something. Et directement, and straight away, Dieu, God, me donne un passage de l'Écriture. May give me a scripture, ou une parole, or maybe a word. Alléluia. Amen. Ça c'est le don que moi je développe. This is the gift I developed. Alléluia. Amen. J'ai développé ces choses. I developed this gift. Donc, je veux te regarder. I may look at you like this. Je vois vraiment. I can't see things. Ne vous en faites pas. Do not worry. Le pasteur n'est the pastor is not blind. He can't see. Et Dieu lui parle. And the Lord is je speaking to me. I may look at you Dieu like this. The Lord speaks to me. Alleluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que j'ai développé un certain discernement. But glory be to God because I developed a way of discerning. Je sais comment c'est que Dieu m'a montré. I know how to put what the Lord showed me dans la parole de Dieu. In the word of God, inside the scripture. Et quand vous êtes réceptif. And when you have a better way of receiving, la réceptivité, you have a better way of understanding, you will notice something.
There will be life in you. Vous serez transformé. You will be transformed. À partir de la parole. Just by the will of God. Dieu. We just talk about God. Imposer les mains, c'est une doctrine. To put hand on people is a way of a doctrine. It's not bad. Alléluia. Amen. Des fois, l'église aussi doit aimer. Sometimes the church si must love to see. Jour, la pasteur, if you are convinced that day the pastor pray for me, pour toi. Come, I will pray for you. Alléluia. Amen. C'est important. It's important. Parce que dans la parole de Dieu, because in the will of God, les invalides deviennent valides. Disabled people become able people. Le Seigneur veut, the Lord wants, que nous soyons suspendus à ses lèvres. Us to be taken away by what he said. Et non avoir un esprit en suspens. Not to have a spirit suspended. Je vais vous expliquer. I will explain to you. Il y a cette expression qui signifie suspendre à ses lèvres. There's an expression which means people to be really taken away by what he said. Signifie écouter ses paroles avec une attention soutenue. It means to listen or following someone with a very careful way. Donc soyons concentrés quand nous écoutons. Let us be really focused when we listen parce to the word of God. Parce que nous avons la vie en elle. Because we have life in it. Alléluia. Amen. Donc ceux-là qui sont suspendus aux lèvres du Seigneur. Those people who are suspended in the lips of the Lord have life. Alléluia. Amen. Suspendre à ses lèvres. To be suspended to someone's speech. Être concentré dans and ce being is mean being focused or following what les Juifs n'étaient pas concentrés à but ce que Jésus disait. The Jews were not focusing on ils what ne comprenaient pas. They didn't understand it. Ils faisaient même pression au Seigneur. They even put pressure on the Lord. Pour que le Seigneur dise que je for suis the le Lord Christ. Say to them, I'm the Christ. Et en ce moment-là, ils voulaient le tuer. And then they will kill him. Donc ils planifiaient pour le tuer. That means they were planning to kill him. Alléluia. Amen. Mais au lieu d'être suspendu aux lèvres du but Seigneur. But instead of being suspended à la bouche du Seigneur, of the speech of the Lord, ils avaient un esprit en suspens. They had a suspended spirit instead. Alléluia. Avoir un esprit en suspens. To have a suspended spirit, c'est avoir une incertitude au niveau. To be, to have uncertainty in your spirit, in your soul. Beaucoup de gens, a lot of people, ne voient pas la gloire du Seigneur dans l'église. They don't see the glory of God in the church. Parce que ils ont des esprits en suspens. Because the spirit are suspended. Mais laisse-moi te dire. Let me tell you quand tu viens dans la présence de when you come in the presence of God, il faut aimer être suspendu aux lèvres du Seigneur. You must love to be suspended on the lips of the Lord. Alléluia. Amen. Quand Jésus parle, when the Lord is speaking, vous savez le Jésus que nous ne voyons you know, pas. You know Jesus we don't see right now. Dieu utilise que le son. The Lord only uses men. Quand la parole de Dieu est prononcée, when the word of God is proclaimed, attach yourself sois to the word of concentré. God. Just be focused. Tous tes problèmes, all your problems, se trouvent dans cette parole. Can be found in the word of God. Le prédicateur peut prêcher pendant une heure. The preacher may preach for 1 hour. Mais il y a 5 minutes de temps fort pour but toi. But it's 5 minutes of strong time for c'est you. C'est ce qui va te donner la vie. That's why we make life to you. Si tu neglectes ce temps, if you neglect this time, it will be so hard for et you. Quand Jésus dit, and when Jesus was saying, n'est-il pas isn't it written écrit dans votre law, in your law, j'ai dit, I said, vous êtes Dieu. You are God. Alléluia. Amen. C'est une phrase, au fait, quand moi je lis à tout moment la Bible, je survole des fois. It's the sentence when passage. I read the Bible, I skip it sometime. Mais aujourd'hui, but quand today, je when I'm meditating, j'ai compris. I understood something. Oh, mais cette phrase. But this sentence quand, here. Quand vous faites des débats avec des gens qui ne croient pas que Jésus est Dieu. When you're debating with people who don't believe Jesus is God. Seulement le même passage. Just read the same scripture. Peut-être ils ont oublié. Maybe they forgot about it. Babo Sanagi. They don't think about au lieu it. De sauter ça. Instead of skipping that. Ils ont écrit. They wrote it. Scripture. Dit aux Juifs, Jesus said to the Jewish. N'est-il pas écrit dans votre loi? Isn't it written in your own law, j'ai dit, I've said, vous êtes les dieux. You are God. J'ai dit, I've said, me. Or, cette parole a été prononcée depuis le temps de. But this word was said since back in Psalm. Mais Jésus dit aux Juifs. But Jesus said to the Jewish. N'est-il pas écrit dans votre loi? Isn't it written il in your law? Il voulait leur dire. He wanted to tell them que l'auteur de votre loi, the author of your moi. Law, is me. C'est moi l'auteur de votre loi. It's me, the person who made your law.
La loi qui vous rend très fier. The law which make you so proud. Vous êtes orgueilleux à cause you de cette so loi. You are so proud of this law. Mais vous oubliez. But you forget l'auteur de cette loi. The author of the law is myself. Vous vous frappez la poitrine. You eating your chest. En disant que vous êtes juif. By saying you are Jewish. Mais vous oubliez. But you forgetting. L'auteur de cette loi. The author of that law. Aujourd'hui. Today. Je vous rappelle. I'm reminding you. Le Seigneur te rappelle. The Lord is reminding you. Tu as traversé des moments vraiment merveilleux avec. You went through amazing time with God. Le Seigneur t'a épargné. The Lord spared you from so many problems. Il a pourvu à toi. He provided to your needs. Pendant ce temps de difficulté. During this time of hardship. Le Seigneur était avec. The Lord was with you. Mais tu as oublié. But you forgot. Je dis tu as oublié. You forgot. Dis à ton voisin tu as oublié. Say to your neighbor you forgot. Aujourd'hui le Seigneur te rappelle. Today the Lord is reminding you. N'est-il pas écrit? Isn't it written? Dans votre loi. In your law. Le jour le Seigneur avait fait quelque chose. The Lord did something. You raise your hand. You say hallelujah. Dieu est bon. God is good. Il est merveilleux. He's marvelous. Oh, Seigneur, je te bénis. Oh my Lord, I bless tout you ce que tu as fait. For everything you do. Tu m'as épargné des you spare me to many dangers. Je suis en bonne santé. I have a good heart. Tu m'as donné le mariage. You gave me marriage. Tu m'as donné les enfants. You gave me children. Mais aujourd'hui, tu but oublies. Today you forgot. Tu as oublié. You forgot. Le Seigneur te rappelle the Lord ce soir. Is reminding you today. Il te rappelle. He's reminding you. Il est toujours en œuvre. He's always walking. C'est lui. He's the one. L'auteur de ce qui s'est passé dans the author of what happened in your life. 10 ans passés. 10 years ago. 15 ans passés. Or 15 years ago. He was the one. Et aujourd'hui. And today. Il dit encore. He's telling you again. Avec certitude. With certitude. Que c'est moi. I'm the one. Qui est fait. Who did it for you. Ces choses là. All them. C'est moi. I'm the one. Sans moi. Without me. Tu ne pouvais pas exister jusqu'à aujourd'hui. Never existed. Sans moi. Without me. Tu ne pouvais pas résister. You could have never resisted. Sans moi. Without me. Tu ne pouvais pas vivre. You could have never lived. Alléluia. Amen. Souvent tu oublies. Sometimes you forget. Aujourd'hui. Today. C'est un rappel. Is a reminder. Le Seigneur te. The Lord is reminding you. Que c'est moi. I'm the one. Qui est l'auteur de. Who is the author of all them things? Moi. I am the author. C'est pas une autre personne. He's not another person. C'est même pas ton intelligence. He's not even your way c'est of thinking, your intelligence. It's not even your ability. But it's me. C'est moi qui ai fait ces choses. It's me who did all them things. Alléluia. Amen. Les Juifs oubliaient. The Jews forgot. Que dans leur loi. In the law, il est écrit, is written, ils sont des dieux. They are gods. Ils ont oublié. They forgot. Souvent nous oublions. Most of the time we forget. Devant des situations. Be facing problems. Devant des obstacles. Facing obstacles. Nous oublions. We forgot. Que nous sommes des dieux. We are gods. Le Seigneur. The Lord. Nous rappelle ce soir. Is reminding us today. Oh, je viens rappeler à quelqu'un. I'm coming to remind que someone. Tu es Dieu. You are God. Ne meurs pas. Do not die. Comme un homme. As a man. Tu es un Dieu. You are God. Ne meurs pas comme un homme. Do not die as a man. Ne tombe pas. Do not fall. Comme un prince quelconque. As any prince. Tu es Dieu. You are God. Alléluia. Amen. Dieu veut. The Lord wants. Que nous puissions invoquer sa présence. Us to call upon his presence. Mais aussi évoquer sa parole. And also call his word. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Do you understand what I'm trying to say Dieu here? Veut the Lord wants que nous puissions invoquer sa présence. Us to call his presence. Invoque-moi. He said, call upon me, I will answer you. Mais ça, cela ne suffit pas. But that is not la enough. La personne qui invoque la présence a person de Dieu calling the Prince of God doit aussi évoquer must sa parole. Also call his word. C'est-à-dire revivre that means live his word. Dieu agit, il parle. The Lord is speaking, he's talking to us. Présence, when he come in his presence, il entre. He entered. Il veut que toi tu commences à évoquer sa parole. He wants you to start calling upon his word. Revivre sa parole. To live again his word. À se rappeler de sa to parole. Remind yourself. C'est ça Dieu. This is God. Comment expliquer? How can I explain? Sa présence est sur toi.
Your experience is in Dieu you. Vient, the Lord comes. Mais tu ne te souviens pas de sa parole. But you don't remind yourself tu of his ne te rappelles pas de sa you parole. Don't remember what il he said to you. Le dos, il va partir. He's going to turn his back and il leave. Va partir. He's going to leave. Parce que toi, tu as l'habitude de because you have the habit of calling mais upon tu him. N'as pas l'habitude de but you sa are parole. Not doing what calling his word in your mind. Vivre sa parole. To live se his word. De sa parole. To remind yourself la personne of qui a Dieu en lui. A person with God in him. God in him c'est cette personne-là is that person qui se souvient who always remember what the Lord said to him. Moment, each time he's keeping on remembering what the Lord said to him. La parole de Dieu the will of God n'est pas seulement quand nous venons à l'église, nous écoutons. Is not only when we come to church and listen to it. Mais un homme qui est puissant, but a person who is powerful doit à chaque fois se rappeler must each time to remember the will of God. Évoquer la parole to de Dieu. Call the will of God. Non, I'm not telling you to pray, but to call upon se rappeler, that means to remember, la to live again. Si c'est que nous prêchons, if what we preach n'est pas une vie pour toi, is not a life for you, nothing will happen. Nothing will happen to you. There won't be progress. La gloire de Dieu ne va pas the glory of God will et never be manifested. And you will always remain disabled. Alleluia. Amen. Un Dieu a God invoke l'Éternel always evoke the Almighty God et évoque sa parole. And call upon his word. Alleluia. Amen. Évoquer signifie aussi faire allusion à la parole. To evoke or to call upon is also to refer to donc, the word of God. That means each time facing a situation you must refer to the word of God. What is the word of God is telling you? What is that is what the Lord Jesus did. He looked at the people. But he remembered what he said himself to them. Isn't it written dans votre loi, in your law? J'ai dit, I said, vous êtes de Dieu. You are God. C'est un exemple. This is an example. C'est un modèle. This is a role model. Il voulait dire qu'à chaque fois, to tell them each time, nous sommes devant un obstacle. You are facing a problem. Nous devons. We must faire allusion à la parole. Remember the word of God. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, today, le Seigneur te rappelle. The Lord is reminding you. Il te rappelle. Is reminding. Aujourd'hui, reminder. Le Seigneur te rappelle. Today, the Lord is reminding you. Il y a beaucoup you. De choses. Au moment où moi je parle. When I'm talking right now. Toi-même, tu connais. You yourself, you know better. Ce qui se passe dans ta tête. What's happening in your head, in your mind? D'où viens-tu? Where are you from? Où es-tu? Where are you now? Où tu pars? Where are you going? Tu connais. You know. Tu connais ce que Dieu a fait. You know what the Lord did for you. Il faut pas qu'à chaque fois on te dise qu'il faut donner. It's not good for each time to tell you you must start giving. You must do this. La puissance de Dieu se manifeste dans la reconnaissance. The power of God also is shown in gratefulness. Tout ce que nous faisons, everything we do, c'est Dieu qui met en nous. Is God Himself who gives us the way of doing it. Soyons reconnaissants. We must be grateful to God. Le Seigneur nous rappelle. Our Lord is reminding us right now. Today, c'est un rappel. It's just a reminder. Toi, c'est un rappel. It's for you this reminder. Un rappel peut être aussi un avertissement. A reminder could be also a warning. Do not do it again. Si tu as l'habitude de se moquer de l'église, de if you have the habit of playing or trying to play against the church, tu peux mourir. You may even die. You may lose your life. Aujourd'hui, le Seigneur te rappelle. Today, the Lord is reminding you. Son œuvre est sacrée. His work is sacred. Tout ce qu'il fait dans everything he does in your life, sois reconnaissant. You must be grateful to it. Alléluia. Amen. Les gens people qui se souviennent de la parole de Dieu, who remember the word of God, posent des actes des enfants de lumière, always make action of children of light, et réussissent dans leurs entreprises, and always success in their businesses. Nous terminons par là. We're going to finish there. Let us read the book of Joshua. Josué chapitre 1. The book of Joshua 1. C'est vraiment un verset que nous connaissons. Joshua 1 is a verse, is a scripture we know. Je veux notre Seigneur. Que ce livre de la loi ne se lâne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Amen. Tout
tous ceux-là qui se souviennent de la parole de Dieu, anyone who remember the word of God, pose des actes des enfants de lumière, always make action of children of light, et réussissent dans leurs entreprises, and always success in their businesses. Mais ce qui s'est passé dans la vie de Juif, but what happened in the life of a Jewish, malgré ce rappel, despite that reminder, ils ne voulaient même pas considérer le Seigneur comme l'auteur de leur loi. They didn't even want to consider the Lord as the author of their law. Vous connaissez. And you know what happened next. Ils voulaient un les lapider. They want first of all to stone him. Mais à la fin, at the end, ils voulaient le saisir. They wanted to assault him. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un lance une pierre, when someone stoned someone, il peut rater la cible, miss the target. Mais quand un groupe de gens, but when a group of people are trying to assault you, c'est pour te tuer, is to kill you. Et ces gens voulaient saisir. And then people wanted to assault. Ils cherchaient à saisir. They're trying to assault our Lord Jesus. Ils avaient l'intention. They had the intention. Nous allons les dévorer. We're going to devour him. Nous allons les déchirer. We're going to destroy him. Nous allons les détruire. We're going to destroy him completely. Et quand ils avaient des mauvaises intentions, because they had bad intention, on n'a pas de mauvaises intentions dans les choses de Dieu. You do not have bad intention in things of God. Le Seigneur les a échappés. The Lord avoids them. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps. Because that was not the time yet. Lui de mourir. For him to die. Ce n'était pas encore le temps. It was not the time. Beloved, tant que tu es fidèle à Dieu, as long as you remain faithful to God, c'est seul sa volonté qui va. It's only His will that will happen in your life. Souvent, most of the time, le Seigneur nous donne la victoire. The Lord gives us victory. Dans des situations très difficiles, in difficult situations, situation where you could have never even imagined to have a victory. Just straight away like this. Tu remportes la victoire. You are victorious. Vous savez pourquoi? You know why? Parce que le temps, because the time n'est pas encore accompli. Is not, le temps que tu partes n'est pas encore. The time for you to go is not arrived yet. Saisissons le moment. Let us take all the time. C'est très important. What is very important, c'est la mission, is your mission. À cause de la mission, because of the mission of God, le Seigneur, the Lord, s'est échappé. He managed to escape. Combien de fois? How many times? L'Éternel, the Lord, t'a épargné de danger. Spare you to danger. Un malheur arrivé. A bad thing could have happened to you. Échappé. You escape. Mais tu ne réalises pas. But you don't still realize. Tu ne réalises you pas. Still don't realize. Le Seigneur te rappelle. The ce Lord soir, is reminding you today. Il te rappelle. He's trying to remind en you. En te lisant. By telling you. J'ai dit. I said. Tu y es Dieu. You are God. Moi, me, l'Éternel, my Lord, j'ai dit, I've said, tu es Dieu. You are God. Pourquoi? Why? Mourir comme un homme. Dying as a human pourquoi being. Pourquoi un Dieu peut mourir comme un homme? How come a God can die like a normal pourquoi? Human? Pourquoi? Oh. Pourquoi un Dieu? Or a God peut tomber? Can fall? Comme un prince quelconque. As any prince. Pourquoi? Oh. Pourquoi? Why? Quand tu tombes, when you fall, tu tombes parce que tu es invalide. You're falling because you deserve. Oh, le Seigneur, but the Lord, veut que tu ne sois plus invalide. Doesn't want you to remain disabled, mais que tu sois valide. He wants you to be nous able. We're going to pray.